On est à la ferme M. Grenier et Fils, c'est une ferme laitière. On a 120 vaches en lactation avec deux robots de traite. Puis c'est une nouvelle bâtisse, ça fait un mois qu'on est en production maintenant. Ici, c'est une ferme de troisième génération. C'est une ferme qui appartenait à ma mère et mon oncle. J'ai repris la relève il y a une quinzaine d'années, puis ma conjointe s'est joint à moi il y a environ 4 ans. Donc, on a bâti le site ici ensemble, puis on regarde vers l'avenir. Il y a 2 ans, on a passé au feu. On avait un bâtiment avec un carrousel, 145 vaches en lait. On voulait un bâtiment plus éclairé, plus aéré. On voulait des animaux là, ça c'était certain. On voulait avoir un peu plus de temps, fait que c'était pour ça qu'on a opté pour les robots. On est vraiment confortable à travailler dans cette étable-là. Ici, on avait un site en hauteur, donc on a fait le choix d'une ventilation naturelle parce qu'on était capable de se positionner stratégiquement face au vent. Là, les rideaux en ce moment sont ouverts, les deux, celui du bas et du haut. Ça laisse passer toute la lumière, tout le vent, et on est très, très bien dans l'étable. Les rideaux sont gérés par le système Genius. On a des sondes disposées dans l'étable. L'ordinateur traite ça pour avoir la température idéale. Avec le contrôle Genius, ça nous permet de ne pas se soucier de la ventilation, de l'éclairage. On sait que nos animaux sont bien, qu'ils sont confortables. On a décidé de travailler avec des ventilateurs grand format Altra Air. On a choisi ce produit-là surtout pour l'aspect silencieux. Puis on a mis des ventilateurs panier aussi. Ça, c'est pour les points morts dans l'étable. À cause des robots, ils bloquent un petit peu le courant d'air. Fait qu'il y a des paniers de ventilateurs vers les robots principalement. On voulait une étable qui était confortable pour les animaux. Puis quand c'est confortable pour les animaux, c'est confortable pour ceux qui travaillent à l'intérieur aussi. Donc c'est pour le confort qu'on a fait le choix d'un équipement plus silencieux. Tout au long de la construction, on a eu une bonne relation avec notre représentant, Benoît de chez Baudry. Il était disponible. Quand on avait des questions, il n'avait pas peur d'aller au fond des choses, puis nous répondre, venir nous aider sur le chantier. Être toujours là à tous les moments de l'installation, puis on a apprécié. Quand ils sont arrivés, d'après la troisième journée, on avait les niveaux de production qu'on souhaitait avoir. Pas nécessairement à long terme, mais pour le début, on était vraiment satisfaits. Nos vaches, ils vont super bien, sont vraiment, vraiment calmes. T'sais, on les entend pas beugler ou rien. On travaille beaucoup avec les animaux, ils sont habitués de nous voir, puis ils ont l'air contents quand on est là, fait qu'on aime ça comme ça.